Labdien, cienījamie žurnālisti! Sāksim preses konferenci, kurā piedalās Eiropas komisijas prezidents un Latvijas ministra prezidente. Tulkojums jums ir pieejams austiņās. Un es gribētu pēc divpusējām sarunām dot vārdu Latvijas ministra prezidentei, laimdotai Straujumai. Augstu godātais prezidenta kungs, cienījamie žurnālisti! Mūsu Nacionālās bibliotekas priekšā karogi šobrīd ir pusmastā. Un šis ir brīdis mums visiem, kad mēs, Eiropas Savienība, varam apliecināt, ka mēs esam gatavi aizstāvēt humanismu un brīvības vērtības. Un šīs vērtības ir iekļautas vārdos brīvība, brālība, vienlīdzība. Tāpēc es lūkšu visus žurnālistus un klātesošos uz mirkli klusuma brīdi piecelties, pieminot to, kas noticis Francijā. Paldies. Pēc šī ļoti grūti sākt runāt par tām lietām, kas bija šodien, bet es gribu izteikt lielu gandarījumu un lielu prieku par to, ka Latvijā ir ieradies Eiropas komisijas prezidents Junkera kungs un komisijas viceprezidenti un komisāri, un mēs varējam pārunāt Latvijas prezidentūras prioritātes. Es varu apliecināt, ka Latvija savu prezidentūru vadīs godīgi un taisnīgi. Ar Junkeru kungu mēs pārunājam arī atsevišķi mūsu prioritātes. Latvijas prezidentūras prioritātes ir konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un Eiropa pasaulē. Un kā mēs šodien runājām un arī atsevišķi ar Junkeru kungu, mēs, protams, nevarēsim izvairīties no to jautājumu risināšanas, kas skar iekšējo drošību. Tātad terorismas un viss, kas ar to saistīts. Ja runājam par Latvijas prezidentūras prioritātēm, mēs pārunājām jautājumu par investīciju plānu ieviešanu, un es uzskatu, ka tas, kā komisija gatavojas piedāvāt šo plānu, tā ir Eiropas pāriešana uz biznesa domāšanu un uz biznesa ekonomiku. Un šī investīciju plāna ieviešana Latvijas prezidentūras laikā manā izpratnē būs viens no galvenajiem mūsu prezidentūras rezultātiem. Tieši šī plāna, viss nepieciešamo regulējumu sagatavošanu plānu ieviešanai. Mēs pārunājam arī jautājumus, kas saistīti ar digitālo prioritāti un ar trešo prioritāti, kas ir Eiropa pasaulē, gan ar kaimiņu attiecību politiku, gan ar brīvās tirdzniecības līgumiem, kas ir ļoti svarīgi, lai tiktu pavirzīti uz priekšu Latvijas prezidentūras laikā. Man ir liels prieks secināt, ka Latvijas prezidentūras un Eiropas komisijas prioritātes pilnībā sakrīt, un es ticu, ka kopā mums būs ļoti veiksmīga sadarbība ar komisiju un komisijas prezidentu, un mēs šo ambiciozo programmu izpildīsim, un pēc pusgada mēs varēsim redzēt rezultātus. Jo mēs visi esam par Eiropu, kura ir moderna un kura iet uz priekšu. Paldies. Paldies Latvijas ministra prezidentei. Vārds Eiropas komisijas prezidentam Žanam Klodam Junkeram. Oui, madame le premier ministre, chère Lamdota, mesdames, messieurs, l'Europe aujourd'hui, après l'attentat qui fut perpétré hier à Paris,
est profondément endeuillé. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au service de la Commission de mettre en berne les drapeaux devant le bâtiment de la Commission, et je constate que les deux autres institutions, le Parlement et le Conseil, procèdent de la même façon. Nous restons scandalisés, consternés, émus par ce qui vient de se passer hier vers l'heure de midi à Paris, et nous ne cessons de penser aux familles des victimes. Ce fut un attentat qui a causé la mort de 12 personnes, mais ce fut aussi un attentat contre notre façon de vivre ensemble, et l'Europe devra réagir en conséquence. Mais l'heure est d'abord au silence avant de voir l'heure de l'action se pointer à l'horizon. Je suis très content, très heureux d'être de retour en Lettonie. La dernière visite que j'ai pu faire dans ce merveilleux pays fut faite au mois d'avril pendant la campagne électorale. Je caressais à cette époque le doux espoir de pouvoir revenir en janvier 2015 à Riga pour inaugurer la présidence lettonne, mais je n'étais pas encore sûr de mon fait lorsque j'ai fait campagne dans ce pays au mois d'avril 2014. Mais maintenant, le mal est fait. Je suis là comme président de la Commission et j'en suis très heureux. Nous avons évoqué, le Premier ministre et moi-même, les différents éléments du programme de travail de la présidence lettonne. C'est la première fois que la Lettonie exerce la présidence de l'Union européenne, et on s'interroge souvent sur la capacité de faire des petits pays lorsqu'ils exercent la présidence. Comme Premier ministre et ministre luxembourgeois, j'ai présidé 5 fois le Conseil et le Conseil européen. Je sais donc par expérience que les présidences des petits États, parfois, connaissent plus de succès que les présidences des plus grands ensembles, parce que les petits ensembles se concentrent sur l'essentiel et ne perdent pas leur temps avec des à-côté qu'il ne faudra pas examiner avec la même rigueur que les grands sujets qui font l'actualité européenne. Je sens le gouvernement letton et notamment le Premier ministre bien préparé pour affronter cette tâche. Les ministres que nous avons entendus ce matin en plénière et les ministres qui procèdent actuellement à des échanges bilatéraux avec les commissaires respectifs sont des ministres très, très compétents, connaissent bien leur sujet, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce point de vue-là, d'autant plus que les priorités, le Premier ministre vient de le dire, qui sont celles de la présidence lettonne, correspondent au millimètre près aux priorités de la Commission elle-même et sont de nature à pouvoir traduire dans une réalité plus concrète les premiers éléments du programme de travail que la Commission a présenté récemment au Parlement européen. La grande priorité pour les 6 mois à venir concerne le plan d'investissement que nous avons présenté 3 semaines après l'entrée en fonction de la Commission au Parlement européen en novembre. La Commission adoptera mardi prochain, lors d'une réunion du Collège à Strasbourg, les textes législatifs y afférents. Et j'étais content d'entendre dire le Premier ministre que la présidence lettonne fera tout pour que les instruments dont nous avons besoin soient en place au plus tard pour la mi-juillet 2015, de façon à ce que nous puissions rapidement procéder avec l'exécution du plan d'investissement, dont je ne cesse de dire qu'il constitue, à vrai dire, une révolution budgétaire en Europe, puisque pour la première fois, nous ne procédons plus par subventions, mais par d'instruments financiers rénovés qui permettront de faire en sorte que des investissements de l'ordre d'au moins 315 milliards puissent être entrepris. Nous avons discuté de l'Ukraine, Lamdota et moi-même, et après un échange de vues, je peux avancer aujourd'hui que la Commission vient de décider de prolonger le soutien financier que nous mettons à disposition de l'Ukraine, qui a besoin de la solidarité des autres Européens. Nous avons prévu
par une décision d'aujourd'hui, de mettre à la disposition de l'Ukraine un montant supplémentaire de 1,8 milliard d'euros, ce qui prouve à l'évidence que la solidarité européenne avec l'Ukraine n'est pas un vain mot, mais reflète une réalité de tous les jours. J'étais content de voir le gouvernement letton applaudir des deux mains à ce geste de la Commission, qui d'ailleurs, puisque notre présidence est maintenant lettonne, a beaucoup d'espoir quant à la faculté que revête la Lettonie d'organiser les relations avec la Russie d'une façon à ce que nous puissions, sur différents dossiers, mieux avancer que par le passé. Nous avons évoqué entre nous d'autres priorités et de la présidence lettonne et de la présidence de la Commission, en évoquant le sujet de l'Europe numérique, où au cours du premier semestre, nous allons présenter en tant que Commission les premières propositions y relatives. La même remarque s'applique à l'Union de l'énergie, où le Collège va adopter un cadre général concernant l'Union de l'énergie lors de sa réunion du 25 février, donc également sous présidence lettonne. Nous sommes heureux de pouvoir lancer ensemble avec le Premier ministre l'année internationale, l'année européenne du développement. L'Europe n'est pas une invention de l'histoire qui se limiterait quant à ses ambitions à la seule Europe. Nous avons des devoirs à l'égard du reste de la planète et il est donc de bon augure que cette année internationale du développement soit lancée demain ici à Riga. Pour faire un long discours bref, je suis content et heureux d'être ici pour, ensemble avec le Premier ministre, lancer la première présidence lettonne de l'Union européenne, présidence qui, en fait, à mes yeux, constitue un symbole de la réconciliation entre l'histoire et la géographie européenne. Déjà, avions-nous à Riga organisé un sommet de l'OTAN, maintenant c'est la première présidence lettonne qui se met en marche. C'est, du point de vue de l'histoire du continent, un moment important et je suis convaincu, sûr et certain, que la présidence lettonne et notamment son gouvernement sera à la hauteur de la tâche. Liels paldies. Jā, un pēc tam, kad Junkera kungs paziņoja sabiedrībai, ka Eiropas komisija ir atradusi līdzekļus 1,8 miljardus eiro, lai varētu sniegt atbalstu Ukrainai, es gribu izteikt gandarījumu par to, cik ātri Eiropas komisija to ir veikusi, jo nu pat tagad ir tikai 7. vai 8. janvāris. Un tiešām liels paldies par to konstruktīvismu, kā komisija strādā. Tā kā, paldies. Paldies. Mums ir laiks tieši pāris jautājumiem. Es lūdzu žurnālistu stādīties priekšā. Mums te bija trešā rindā pirmais jautājums. Ruth Berschens, Handelsblatt, Allemagne. Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, je voudrais savoir quelles conséquences faut-il tirer maintenant de l'attentat, quelles conséquences politiques. Est-ce que la lutte contre le terrorisme est uniquement, jusqu'ici, comme c'est le fait jusqu'ici, une tâche nationale ou est-ce que c'est aussi un devoir de l'Union européenne? Est-ce qu'il faut une initiative politique dans ce domaine au niveau de l'Union européenne? Merci. Es gribētu informēt, ka jau vakar tajā laikā, kad es tikos ar žurnālistiem Briselē, bija mūsu iekšlietu ministrs, kurš kopā ar augsta līmeņa darba grupu izvērtēja šos notikumus, kas ir notikuši Parīzē. Un ir mēs šodien ar prezidenta kungu pārunājam visus pasākumus. Mums gan Junkera kungam, gan man ir vesels pasākumu saraksts, kas ir jāveic Eiropas Savienības
līmenī. Un atbildīgie dienesti un ministri strādās valstu dalībvalstu ministri un arī Eiropas komisija un prezidentūra, protams, katras valsts atbildīgiem dienestiem, katram savā valstī ir arī jāveic atbilstošie darbi, bet Junker kungs var apliecināt, ka komisija kopā ar dalībvalstīm strādās dažādos jautājumos, lai es negribētu šobrīd šeit lasīt visu to, kas man ir līdzi, lai terorismas nesagrautu mūsu ticību vienam pret otru un nesagrautu tās brīvības, kas mums šeit ir. J'ai dit tout à l'heure que l'heure du silence est au silence et non pas à l'action. Je sais d'expérience qu'il ne faut pas réagir le lendemain à de tels événements en présentant des nouvelles propositions parce qu'on risque de commettre des erreurs en allant trop loin ou en n'allant pas suffisamment loin. Toujours est-il que les événements de Paris ne cessent de nous interpeller et la Commission a prévu de présenter un nouveau programme de lutte contre le terrorisme dans les semaines à venir. Le programme actuel dont nous disposons est venu à échéance en décembre. Il fut adopté pour la période 2010 à 2014 et en faisant de nouvelles propositions, nous allons examiner un certain nombre de pistes qu'il est trop tôt pour être annoncé en détail, mais nous allons vérifier la qualité de la coopération entre les États membres. Il est vrai que la lutte contre le terrorisme relève d'abord de la compétence propre de chaque État membre, mais il est évident que des interconnexions de compétences doivent être mises en place entre les différentes autorités nationales pour pouvoir mieux lutter contre le terrorisme, notamment sur un plan préventif et proactif. Il faudra examiner en détail les possibilités qu'offre le système de Schengen pour voir sur quel point il peut être amélioré, rendu plus exigeant. Il s'agira aussi de renforcer la coopération entre Europol et les différentes agences nationales qui s'occupent de la lutte antiterroriste. Et donc la Commission, après un débat au Conseil des ministres des Affaires étrangères au cours du mois de février, va présenter des propositions qui renforceront le cadre de lutte contre le terrorisme. Un jautājums piektajā rindā, kungs zaļajā džemperī. Is this working? Ian Traynor from The Guardian. There will be an upcoming meeting of a council for the Prime Minister this question. There will be an upcoming meeting of Justice and Interior Ministers. Would you expect some real results at that meeting in response to the events in Paris? And also, for example, a European PNR system on passenger air travel information has been resisted by the Parliament. Would you expect now for that parliamentary opposition to be overcome? Nākošu nedēļu es došos runāt ar Eiropas parlamentu, un tad, kad mēs decembrī tikāmies Eiropadomē, tad Šulca kungs uzrunāja Eiropadomi tieši par pasažieru registra jautājumiem ar lūgumu palīdzēt gan prezidentūrai, gan Eiropas komisijai palīdzēt panākt vienošanos Eiropas parlamentā. Un es varu apliecināt, ka nākošu nedēļu es arī par šo runāšu Eiropas parlamentā. Bet, kā jau teica Junker kungs, Eiropas komisija gatavos priekšlikumus un iespēju robežās katrā atbildīgo ministru padomē tiks izskatīti, bet es arī sagaidu, ka jūnija Eiropadomē tiks atjaunota Eiropas iekšējas drošības stratēģija,
tas būs perspektīvai, bet, protams, līdz tam atsevišķas ministru padomes izskatīs citus jautājumus, kas saistīti ar drošību.